Aujourd'hui, le masque challenge d'une citadine dans un bled paumé avec le masque sien en tissu hydratant tonifiant. C'est parti. Alors ce masque, celui-là, là, le sien, c'est quoi? Je vais lire, hein, c'est tout simple. Un masque au thé vert qui donne un coup de frais à votre peau. Le masque à la texture ultra douce est imbibé d'un sérum soin à l'extrait de thé vert et à l'acide hyaluronique. Je vous rappelle, acide hyaluronique veut dire hydratation. Voilà, s'il est utilisé régulièrement, il matifie le teint. Bon, ça sera difficile à voir là. Et grâce à ses ingrédients apaisants, comme la mamélis et la lantoïne, la peau retrouve son équilibre. Bon, c'est parti, on va essayer la chose. Un masque, une utilisation, tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique, usage externe, attention, peut provoquer des rougeurs passagères pour les peaux sèches. Bon, ça c'est normal, c'est parce que un des ingrédients peut être un peu irritant. C'est noté dans Yuka, je vous le mets. Voilà, ben c'est parti, on va essayer. Allez, on y va, je défais le masque. Alors, il se présente tout bien plié. Évidemment, il y a une tonne de sérum. Voilà, j'avais déjà essayé le bleu de chez Lidl, c'est le même, mais en bleu. Voilà, il est vraiment très très bien imbibé. Bon, maintenant, il faut que je trouve les trous des yeux pour les mettre. Pas toujours simple, ça y est, j'ai trouvé. Allez, c'est parti, on va l'installer. Je suis en train de me battre avec le masque. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Alors ça, c'est les yeux, le nez, la bouche, c'est parti. Ouais, il y a un petit truc pour le nez là, je l'avais oublié. Voilà, ça y est, je le mets. Alors, c'est parti pour ressembler à rien pendant 15 minutes. Alors, je le mets bien. Et puis, je vais aller me regarder une petite émission de télévision pendant 15 minutes. Et je vais bien laisser poser. En tout cas, c'est bien imbibé et ça sent très, très bon. Voilà, moi ça fait toujours des plis. Je suis magnifique comme ça. À tout à l'heure. Voilà, ça fait plus de 15 minutes que je porte ce masque. Alors là, ça a bien séché. Le produit est bien rentré dans la peau. Ça ne tient pas toujours très bien. Bon, c'est souvent le problème avec ce genre de masque. Maintenant, je vais l'enlever. Allez, c'est parti. Alors, c'est un masque qui est très, très imbibé. Alors là, la peau a bien bu, hein, elle devait avoir besoin. Quand ils sont imbibés comme ça, alors là, elle a tellement bu que c'est pas possible, la peau. Mais vu la quantité de produits qu'il reste dans le sachet, si j'étais à la maison, là, vous avez vu, je suis à l'hôtel. Si j'étais à la maison, je l'aurais remis dans le sachet. Voilà. J'aurais plié consciencieusement ici et mis une pince. Et j'aurais mis ça au frigo pour une nouvelle utilisation dans les 24 heures. Je dis bien dans les 24 heures, parce qu'il n'y a pas suffisamment de conservateurs pour l'utiliser au-delà. Quand j'enlève le masque, je fais bien pénétrer ce qui reste sur le visage. Voilà. Et le surplus, je vais tapoter et enlever ce qui reste en trop. Et voilà, ça. Alors, est-ce que certaines d'entre vous l'ont essayé ou ont essayé les masques Lidl? Parce qu'en fait, dans la série, il y en avait deux que je vous ai présenté d'ailleurs le précédent sur Instagram il y a quelques temps de cela. Donc, il y a le bleu et le vert. Le bleu est hydratant, revitalisant et le vert est hydratant et tonifiant. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je n'attends que de l'hydratation pour tonifier ou revitaliser. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est toujours pareil. Mais côté hydratation, tout va bien. Voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Et vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Alors, ce masque challenge, je vais y arriver. Je l'ai fait avec d'autres copines sur Instagram. Je vous mettrai ici les adresses pour aller voir leur avis sur ce masque. N'hésitez pas à aller leur mettre des commentaires, à partager nos vidéos, nos posts. N'hésitez pas. C'est l'occasion de discuter et voir ce que vous en pensez. J'en profite pour vous faire un petit concours. Il va y avoir 3 masques à gagner, donc pour 3 personnes. Il y en a 2 verts et 1 bleu. Voilà. 3 personnes différentes. Je vous mets ici en lien en barre d'infos le lien pour aller faire ce concours et répondre à la petite question que je vous pose. N'hésitez pas, le concours dure
une semaine, donc dans une semaine, le tirage au sort. Et je vous retrouve eh bien, demain soir pour un live, un event live habituel. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! C'est sympa le petit concours, vous allez pouvoir l'essayer, comme ça vous me donnerez votre avis aussi. Voilà, bon, allez jouer, c'est là dans la barre d'infos. Oh, c'est des petits masques, hein. C'est juste pour le fun, pour vous faire essayer. Vous me direz.